voyez, vous avez cette zone noire. The gang did not like him, but tolerated him. He felt big in a small world that respected his strength and demanded little of his brain. They were nearing the orchard now, moving steadily, watching for any sign of life around the corner house of barn. Cette pouliche, c'est une hue. Elle a eu un petit problème, un petit incident à l'herbage. Et elle va reprendre bientôt l'entraînement. Et on veut contrôler l'état des tendons avant de vraiment la remettre au travail. Elle a fait deux suros, un de chaque côté. Il y a quelques mois, on n'a rien fait. On les a laissés se stabiliser naturellement tout seul. Le tendon n'a pas de déformation. Il est bien. Donc certainement cicatrisé, ce qui est logique pour une pouliche de ce jeune âge. Mais on va le contrôler du point de vue échographique pour être sûr qu'elle va reprendre le travail dans de bonnes conditions. C'est donc un échographe. On met du gel sur le pad qui permet une bonne transmission de l'information de l'échographie entre la sonde et l'appareil qui l'analyse. La tendinite est une grande maladie du cheval, c'est donc un appareil que vous utilisez très fréquemment ? Très fréquemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, celui-ci il est mixte, il nous permet aussi de faire une échographie de gynécologie des poulinières, mais l'intérêt d'être transportable et assez léger nous permet de suivre sur site, donc plus rapidement, plus simple pour l'entraîneur qui a moins de transport, et de les voir assez couramment s'il le faut plusieurs fois, lorsqu'il y a un cas compliqué et aigu. Ce qui est important, c'est que alors, ces zones noires sont des vaisseaux sanguins. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait dans le fléchisseur superficiel ou le fléchisseur profond des zones hypoéchogènes, c'est-à-dire des zones noires qui traduiraient une inflammation du tendon. Ici, vous avez les deux tendons fléchisseurs qui sont dans la phase, le côté palmaire postérieur de la jambe par rapport aux extenseurs qui sont devant, qui permettent de relever le pied. Le fléchisseur, eux, permettant la flexion, c'est la continuité, bien sûr, de muscles qui sont au-dessus du genou. Et le tendon, c'est la forme la plus réactive d'un problème, d'un dysfonctionnement musculaire tendineux parce que c'est moins vascularisé que le muscle, mais c'est la continuité. Le tendon est un muscle. Et la terminaison du muscle, le tendon, il fait de la même partie par rapport au ligament qui, lui, est purement ligamentaire, n'est pas du tout la continuité d'un muscle. Il faut savoir que le cheval, il est onguligrade, c'est-à-dire pour un poids de 400 ou 500 kg, il se déplace de 40 à 60 à l'heure et qu'il marche sur un ongle. Il doit mobiliser tout son squelette et tous ses membres avec les tendons qui sont fins et qui font, là et celui-ci, les deux font chacun environ 1,5 cm et ils sont complémentaires. Lorsqu'il y a une mauvaise préparation ou qu'il y a une nature difficile, le muscle ne respire plus, il y a une mauvaise oxygénation musculaire et qu'est-ce qui en paie le premier les conséquences sont les tendons. Donc elle a un profil échographique bien stabilisé et tout, elle peut reprendre normalement l'entraînement. They were nearing the orchard now, moving steadily, watching for any sign of life around the corner house of barn.